personne. C'est lui, sans doute. On chante dans. Chut, écoute. C'est le baron. Cache-toi vite et qu'on évite de les laisser se rencontrer. C'est donc qu'il sera là. Tu viendras m'annoncer que le Maharaja m'attend. Va-t'en. C'est l'amour. Ah! Ah, quelle nuit, quelle maîtresse, je viens t'offrir tout ce que j'ai. Puisque mon amour est partagé, rend plus divine tes caresses. Je t'ignorais jusqu'à ce jour, j'ignorais donc tout de l'amour. C'est toi qui me l'as fait connaître. Oh, ma maîtresse, non, mon maître, et je suis à toi pour toujours. Je t'adorais, certainement, je t'adorais très sagement, car je te croyais moins active. Mais cette nuit fut décisive et je t'adore follement. Quelle nuit, quelle maîtresse, je viens t'offrir tout ce que j'ai. Puisque mon amour est partagé, rend plus divine tes caresses. Il me semble, tu sais vraiment que j'ai rêvé, quand je te vois si réservée, si calme et froide, et que je pense à cette nuit, c'est inouï, c'est insensé. J'ai vraiment de la peine à le croire, tu sais. Et si je n'avais pas la preuve indiscutable là, par ces bijoux, à votre cou, que c'était vous, j'en douterais. Oui, je me dirais, ce n'est pas elle, non, ce n'est pas celle que j'avais cette nuit, dans mes bras, toute nue. Car vous savez, mademoiselle, que simplement vous étiez devenue méconnaissable. Votre parfum qui cependant m'est bien connu, et vos mains adorables, tout était transformé, c'est curieux vraiment ce que c'est que d'aimer, c'est incroyable. Et quand tu m'as crié, je t'aime, ta voix, même ta voix qui n'était plus la même à l'ordi, ces projets qui t'enchantaient tant cette nuit, ils doivent t'enchanter tout autant aujourd'hui. Ils m'enchantent autant. Dieu que je suis content. Mais pourtant. Mais pourtant. Mais pourtant, tout en m'enchantant et tout autant, j'y vois quelques difficultés. Il faut les surmonter. Vous parliez d'un départ. Oui, pour Londres, gare Saint-Lazare, 2h30, tout est organisé déjà. Mon pauvre ami. Et le Maharaja, comment voulez-vous que je fasse, hélas? Nous étions fous, je crois, et tous nos beaux projets s'effondrent. Oh, mais pourquoi? Mais parce que, comprenez-moi, je ne peux pas lâcher la proie pour Londres. Votre amour est sincère, et vous faites beaucoup déjà en m'assurant le nécessaire. Ça? C'est entendu. Mais le Maharaja m'a sur lui le superflu, et vous savez que c'est ce qui coûte le plus. Je dois le ménager. Vous êtes extrêmement large, mais néanmoins, mon cher, vous êtes obligé de partager, car vous n'êtes pas seul, et vous avez des charges. Je le comprends parfaitement. Oui, mais c'est que précisément à la longue, ce sont des charges qui me pèsent, presque autant qu'elle me déplaise. Et je vais de ce pas, puisqu'il en est ainsi. C'est le Maharaja, madame. Oh. Qu'il attende. Et vous, ne faites pas de folie, hein, surtout. Oh non, n'ayez pas peur, non. Je vous demande seulement 10 minutes. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais c'est plus qu'il ne m'en faut, je pense, pour chambarder complètement mon existence. C'est